J'ai fait un BEP en chaudronnerie, soudeur, métallerie. Quand j'étais plus jeune, tout ce qui était créatif, j'aimais bien mettre, fabriquer des choses, tout ça, j'aimais bien. On touche à tout dans ce métier-là. Et non, je suis arrivé ici beaucoup par bouche à oreille. J'avais souvent entendu parler de Soletanche, comme j'étais à l'école sur Varennes, donc c'est à côté de Montreux. Et puis ben, en passant sur la route, je voyais beaucoup les grosses machines, donc c'est vrai que ça nous interpelle souvent, quoi. Et puis ben, j'étais intéressé comme ça pour venir ici. En arrivant ici, ben, on découvre d'autres techniques, des façons de faire, un savoir-faire différent de ce qu'on a appris. Puis ben, en tant que jeune, ben, on essaye de suivre l'évolution des anciens, puis essayer de récupérer toute la pratique qu'ils ont pu avoir jusqu'à maintenant. C'est un peu, c'est comme une grande famille en fait. Et on est tous les uns près des autres, on a un grand esprit d'équipe. Ouais, c'est vachement important, ouais. La communication, même pour le travail en lui-même, on est obligé, on ne peut pas faire le travail personnellement, on a toujours besoin de quelqu'un en fait. On travaille sur des types machines spéciales, quoi, qu'on conçoit, qu'on fabrique, qu'on répare. Donc c'est vraiment du matériel grosse gamme, on va dire. Selon sur ce qu'on doit travailler, les compétences que les gens ils ont, s'il leur en manque, on a des formations, on a un suivi derrière sur tout ça. Ce que j'aime, c'est prendre des responsabilités, avoir d'initiatives, être créatif.